là là, j'ai participé au raid de la zone 51. Oh, et c'était merveilleux. J'ai pu rencontrer des youtubeurs tels que Jem ou encore Flop. Bon bref, à part la vidéo de Siri, je n'ai vu aucun français aller vraiment au raid de la zone 51. Alors je tiens à retranscrire ce que j'ai vécu personnellement. La zone 51, qu'est-ce que c'est? C'est une zone qui porte le numéro 51. Bitch, qui signifie pute ou salope. Ou prostituée. Bon bref, je te fais pas le topo. Alien, mec louche, soldat, bon bref, tu te poses des questions. Bon après, je suis pas fou, hein. Je voulais pas me faire flaguer tout seul dans la zone. Alors du coup, on est parti à 4. Du coup, il y avait Max, Clidon et Zed, Sar, l'élite de l'élite. Bon, dans le cas où on est arrivé un peu plus tôt pour se préparer à la zone, j'avais du temps à perdre, hein, clairement. Bon, c'est pour ça que vous me voyez courir avec mon gros cul dépassant les 140 sur une plage californienne. Bon après, pour l'entraînement, j'ai commencé à taper quelques runs avec Max dans le désert. Ouais, bah ok, je me faisais chier, quoi. Bon après... Bon allez, nique ta mère, me juge pas. Je me faisais chier dans cette voiture. Bon, pour me défendre, il y avait 6 heures de route, ok? Bon, pour vous expliquer un peu la situation, j'avais mon avion le 18. Alors le 19, on avait une journée avant que le raid se fasse. Alors comme un bon vieux touriste, j'ai commencé à visiter la ville. Et non, visiter la ville, c'est pas une métaphore pour dire que j'ai exploré ta daronne. On a fait 300-400 mètres pour atteindre le point culminant de la ville, c'est-à-dire le truc dans GTA. C'est le mec qui a aucune culture. Alors ça, c'est un footage de moi qui marche. Ta gueule. Ça c'est un footage de moi 200 mètres plus tard. Voilà voilà. Ça c'est une vidéo de Max qui se filme dans un truc thermique là. Voilà. Bienvenue dans le vlog de Los Angeles. Et ça c'est encore moi qui marche, mais cette fois-ci dans le sens inverse, tu vois. Ah, ça c'était une barrière. Ah, très jolie plante d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Comment ils ont fait pour tout mettre autant de détails? Mais qu'ils ont tellement dû galérer, mais même déjà sur l'époque de, sur la, à l'époque de la PS2, il y avait déjà des trucs comme ça. C'est cassé gros. Attends, j'ai... Elle s'est cassée en fait. J'ai pas vu. Tu continues de lui parler comme si elle était là en fait. Je suis... Bon après ça c'est mes pieds. Et ça c'est mon ombre aussi. Voilà. Et ça c'est Clidéo qui s'est pris un coup de boule, pas un gitan. Ça va Clid? Ouais, je fais une pause là, c'est trop. C'est... Mais vraiment t'es... Qui est triste de cette façon? J'en ai marre les gars, vraiment. J'ai failli me casser la gueule. Franchement, ça aurait été une gueule. Bon après là j'ai coupé parce que c'était pas très intéressant ce qu'il disait. Bon du coup après je suis parti me branler à la... Quoi? Non? Ouais, du coup j'ai étudié. Oui. Ouais bon ok, hein, chacun ses méthodes, hein. Est-ce que je te juge quand tu révises ton français? Non? Bon après je suis réellement retourné à la part parce que j'étais un peu crevé. Ah pute! Fucking Twinkies. Oui mais... Ah ta mère! Bon après, chala, j'ai dormi. Ah parce que... Ah putain, je suis crevé. Bon après, le lendemain, go zone 51. Bon, j'avais 6h30 de route. Pour dire, fallait bien s'occuper. Et afin que ce voyage se passe les plus rapidement possible, j'ai fait une review des plus belles photos de Z devant le panneau Hollywood. Bon ok, juste des photos de Z. La longue fut route, ou la route fut longue, comme tu veux. J'avais vraiment rien d'autre à foutre que d'espionner les touristes chinois. Ralentis pas! Ralentis pas, je t'ai dit! Allez! Waouh! Waouh! Bah putain, enculé! Putain de camion! Bah mais putain, enculé! Clean! T'as aucune mec. Bon du coup ne vous étonnez même pas si je commence à faire de la merde. C'est pas moi, c'est mon autre moi, t'as capté. Oh fuck man, what the fuck? What the fuck man, what the fuck? Oh fuck 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 fuck. Wow shit, wow, some fucking shadows. What did you fuck, did you see that? Wow shit, shit. What the fuck? What the fuck, man? Oh shit! Oh, wow, wow, did you see that? Wow, wow, Clidon, did you see that? Oh wow. Shit, that's amazing! That fucking wall. It's fucking white! Bon, arrivé à un tel niveau de chômage, tu dis qu'est-ce qui peut arriver de pire? Attends. Je passe à voir. Putain. Oh, ça me pète les couilles. T'as fait je sais pas combien de putains de kilomètres que je marche dans le désert et je vois toujours aucun putain d'alien. Et je suis désolé, hein. 7000 km, un putain de billet d'avion pour moi, ça commence à me péter les couilles. Putain gros, y'a que dalle dans cette putain de zone. C'est vraiment de la merde. On n'a même pas vu un seul alien. Putain. Là je crois, mais je suis pas sûr, on était parti lui niquer sa grosse race à l'alien. Je sais pas. Ah ouais, ouais, bah c'est ça. Putain d'alien.
Bon, ils avèrent finalement après quelques heures de route que l'alien n'était pas si méchant que ça. Mais même quand je suis sorti de la voiture et que je l'ai fermé à clé, bah ce con il est en train de prendre ma caméra et il commençait à vloguer. Bon, Inch'Allah, je lui ai ouvert la vitre, je lui ai jeté une bouteille d'eau et on s'est cassé. Complètement perdu. 7000 km. 7 putain de 12 000 km pour ça. Ah, je me fais déjà attaquer par des putains d'aliens. Moi, ça me casse les couilles. Non, mais en vérité, vous voyez un peu la zone. Enfin, non, c'est même pas la zone, c'est une putain de fresque. Mais voilà, pire vlog du monde. Bon, après, j'ai marché 3 pas à gauche, 3 pas devant et après, on a débarqué au Arnak Center. Alien Center. Salut, Michel. Ou alors, tout simplement, pourquoi Arnak Center? Alors, je vais vous l'expliquer en quelques mots. Déjà, tu débarques dans la zone, devant le magasin où ils vendent du jerky d'alien. Tu sais, de la viande d'alien. Enfin, le truc pour pigeon, là. Et après, le mec, il vient te voir et dit, c'est pour le festival, ok, ça fera 50 balles. Pardon, t'es qui? Tu veux ma photo? Au final, on s'est aperçu au dernier moment que ce n'était pas le concert gratuit en plein air, hein, parce que 50 balles pour voir 3 mecs danser devant une estrade, hein, dans un concert de rock où il y a que des inconnus, va te faire foutre. Regarde, même Max n'était pas content. Regarde cet homme énervé. Comment il est énervé? Bouh, je suis énervé. Alors les gars, je veux bien, mais il faut vraiment m'expliquer la logique. Qu'est-ce que fout Marilyn Monroe avec ses potes les aliens? Vraiment, il y a aucune putain de logique ici. Business is fucking business, mais bon, on paye ton caleçon à 50 balles. Kid. Tu veux pas un caleçon, gros? T'en veux pas un? What the fuck? Bon, après, on a décidé de se casser parce que trois mecs avec une despair à moitié bourrée devant une estrade dont il n'y a personne, c'est pas trop notre délire. Bon, bref, je suis retourné à la voiture, je voulais m'assurer si l'alien était toujours vivant. Oui, ça va, bon, allez. Même une amitié commençait à se nouer, hein, va savoir. Après une heure de route, on est enfin arrivé à la ville de Rachel, un gros festival situé dans le désert. Le désert, gros, il y avait plus de place sur la tour Eiffel. Il y avait des centaines et des centaines de voitures, mais bon, selon Jam Jam, il y avait personne. Ah, oh, bah, s'il y avait personne, et si Jam Jam l'a dit, bon, faudrait déjà qu'il vienne, en fait. Putain, les gars. Après, je sais pas combien d'heures de route on est arrivé dans la fucking ville de Rachel. Mec, c'est vide, what the fuck, c'est putain de vide. Il se passe quoi? Mais gros. Mec, y'a personne. Mais Tim, il avait raison, putain. Mec, mais depuis le début en fait. Ça me casse les couilles, y'a personne. J'ai vraiment perdu 2500 euros. Coupe, on rentre. Bon, après, raid de la zone 51, il fallait bien un peu s'échauffer. Bon, t'as capté. Bon, après, musique d'ambiance soit telle, j'ai même commencé à libérer l'alien pour qu'il fasse 2-3 moves. Ok, je suis sympa. Mais après, je l'ai renfermé, hein, faut pas croire. Allez, hop, va tirer mes chaussures, esclave. Et c'est là que le festival commence. Des putains de gars en train de courir des cerceaux, des aliens de partout. Franchement, gros, c'est bien niqué. C'est plutôt sympa, quoi. C'est ok. Hein. Je sais pas, hein, c'était un délire des abonnés et tout le bordel. J'ai pas signé pour ça, hein. On a chopé un alien, je sais pas ce qu'il fout. Vraiment une vie de merde, hein. Moi, je fais des critiques et tout, constructives. Aucun effort, hein. Et sa mère, moi, j'ai pas signé pour ça. En vérité, je sais pas. Il y avait quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je commençais à bien l'aimer, le gars. Il s'est rapidement fait une place parmi nous. Enfin, je sais pas. C'était assez chimique. Je crois que je vais le ramener en France. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais on va se débrouiller. Je crois que je vais l'appeler Sylvain. Ouais, Sylvain. C'est un beau prénom, ça. Lâche un like, ho ho, abonne-toi. Enterre tes morts, suce ton père.